avait poussé la porte de l'agence. Je ne pouvais lui refuser mon aide. Et quelque chose me disait que cette affaire a été faite pour moi. Avec un peu de chance, elle pourrait même m'être bénéfique. Merci, Betty. Après une conversation entrelacée de silence qui en disent long, elle m'avoue enfin le pourquoi de sa visite. C'était la première fois que je me retrouvais face à une situation pareille. Elle m'avoue qu'on venait de lui voler ses couleurs. Vraiment,
C'était trop bien. Quand il y avait les dessins, c'était trop bien. C'est pour ce moment. Vous savez bien que vous faites des trucs comme ça. Ouais, ouais. Au centre culturel, c'est très bien. Super bien. On est prêt à recommencer. Super bien. À la base, on ne savait pas du tout comment on allait faire pour appliquer cette idée et en faire vraiment un spectacle qui dure une heure. Ça fait 3 ans qu'il est en gestation, avec des périodes de résidence qui ont duré 2 ans, comme ici par exemple au C2, donc il y a eu plein de périodes de résidence de 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Alors on est 3, donc moi je suis essentiellement au jeu, à la comédie, quoi, à la mise en scène et à l'idée originelle. Florent Prudhon qui a fait toutes les peintures, qui est dessinateur de cette bande dessinée, et qui applique aussi les images et qui peint en direct. Suzanne Kaiser qui est en fait la fée de l'intérieur de la bande dessinée, on va dire. Et puis il y a une quatrième personne qui est Manu Cotin, qui est éclairagiste du spectacle, puisque les images sont vraiment rythmées par la lumière en permanence, quoi. Et ben, l'histoire, c'est vraiment... donc c'est Jack, le fameux enquêteur, une enquête policière, polar années 50, un peu comics américain, il part à la recherche des couleurs de Betty, qui est chanteuse de cabaret, qui vient le voir dans son bureau parce qu'elle a perdu ses couleurs. Voilà. D'où le titre « Serial Couleurs ».